Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est avec une grande joie que je viens encore devant vous pour vous parler de la part de notre Dieu éternel, Elohim, El Shaddai, Yeshua, HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui qui a permis que tu puisses me suivre, toi qui es devant ton écran en ces moments. Aujourd'hui, je vais parler toujours dans le cadre de retour à l'évangile de Christ REC. Quand nous parlons ici de retour à l'évangile de Christ, nous faisons allusion à ceux-là qui ont pris la parole de Dieu, qui détiennent la parole de Dieu captive. Quand nous parlons de retour à l'évangile de Christ, ce n'est pas pour nous. Nous avions cru à cet évangile, nous avons reçu cet évangile, mais sauf que la réalité fait que beaucoup de gens sont en train de prêcher d'autres choses. Beaucoup de gens qui se disent pasteurs sont en train d'enseigner d'autres choses. C'est pourquoi nous mettons encore les traits, ou bien le trait sur les T ou le point sur les I pour dire que nous devons retourner à l'évangile de Christ. L'évangile que Jésus-Christ nous a laissé, ce n'est pas celui-là que les hommes nous prêchent aujourd'hui. C'est pourquoi nous rappelons, comme nous sommes les avertis, nous avertissons, nous informons et nous encourageons aussi à ceux-là qui disent qu'ils aiment le Seigneur de rentrer dans l'évangile, d'utiliser la Bible comme le seul fondement. Pas un livre d'un pasteur, pas un journal, pas, je ne sais pas, une page internet, mais consulter la Bible. Alors, ainsi dit REC, retour à l'évangile de Christ.